Bien les enfants, aujourd'hui, nous allons commencer par travailler l'écriture. Oui, Ryan ? On doit sortir nos crayons magiques et aussi notre lutin maîtresse. Oui, vous prenez aussi votre trousse et votre sous-main de l'alphabet. Je ne trouve plus mon crayon papier magique. Je ne trouve plus mon tube de colle. Maîtresse, j'ai perdu mes ciseaux magiques. Mais tout le monde a perdu quelque chose dans la classe. Bizarre, il y a quelqu'un qui s'amuse à chiper les affaires des autres. Très bizarre. Mais maîtresse, il y a une fiole par terre. Oh, tu peux aller la chercher, Diana? Tu peux nous lire ce qu'il y a dessus? Potion magique pour dire la vérité. C'est très étrange. Je crois, les enfants, que vous allez mener votre petite enquête pour trouver le coupable. Et vous allez vous séparer en petits groupes. Ici, on a trouvé l'empreinte de pas. Ici, il y a un crayon cassé, c'est marqué Anaël. Mais c'est le mien. C'est quelqu'un qui porte des chaussures à talons. C'est peut-être un ogre ou un géant. Ou le petit pousset ou le chaboté. C'est soit un sorcier, soit une sorcière, il faut continuer. Par terre, il est bizarre, il brille. On dirait une carte qui montre où on peut trouver des objets magiques dans l'école. Peut-être qu'un pirate se cache dans la bibliothèque, cherchons-le. Carte magique de la maîtresse par terre. Ici, regardez, on dirait des pierres précieuses. Je me demande ce que ça fait là. C'est peut-être sur la couronne d'une princesse. Ou les pierres du petit pousset. Ou bien les pierres magiques d'une sorcière. Ça vient. La balai, et si c'était la dame de ménage? Mais non, elle utilise un aspirateur. Et si c'était un arbre magique qui avait perdu ses feuilles? Et pourquoi pas un sorcier ou une sorcière? Regardez là, une pluie noire. Il y a sûrement un oiseau qui est passé par là. C'est peut-être une pie ou le corbeau d'une sorcière. Les enfants, voyons un peu les indices que vous avez trouvés. Avez-vous une idée de qui peut être le coupable? Nous, on a pensé à une princesse, un pirate ou une sorcière. Nous, on voyait plus le petit pousset, une sorcière, le chapeauté ou une princesse. Et pour nous, c'est peut-être un corbeau, un arbre magique ou une sorcière. Bien. Je vois que tout le monde, tous les groupes ont suspecté le même personnage. Vous voyez lequel? Sorcière! Tout à
utiliser la potion de vérité pour savoir qui c'est. Très bonne idée, Yad. Tous les sorciers et les sorcières de la classe vont venir se ranger pour remuer la potion et en disant la formule magique. Merci Yana. Bouillonne, bouillonne, petite potion, car je dis la vérité, c'est pas moi le coupable. Bouillonne, bouillonne, petite potion, car je dis la vérité, c'est pas moi le coupable. J'ai mal au genou, j'ai du mal à marcher. On va t'aider. J'ai mal au poignet. On va te mettre un bandage après. Allez, vas-y. Bouillonne, bouillonne, petite potion, car on dit la vérité, c'est moi le coupable. Pourquoi tu as fait ça? Parce que je voulais avoir plus d'imagination grâce à vos objets magiques pour inventer de nouvelles potions. Il fallait nous demander, on peut te donner plein d'idées. Une potion pour grandir par exemple. Une potion pour voler. Une potion pour être intelligent. Vous avez de très bonnes idées les enfants. Je suis certaine que votre camarade n'en manquera plus. Bonjour chers collègues. Bonjour Noé. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi j'ai des messages à envoyer sur mon ordinateur. Je dois finir mon exposition sur la Bretagne. Moi je dois aller au secteur jeunesse préparer des livres pour l'école de la découverte. Moi je dois aller au jardin pour planter les fleurs. Moi, je vais aller dans la réserve pour préparer des livres. Moi, j'allais au secteur adulte pour ranger quelques livres. Bien, moi, je reste ici pour accueillir le public. C'est étrange, c'est bizarre. Non, mais quel bazar! Non, mais quel bazar! C'est étrange, c'est bizarre, non, mais quel bazar! C'est étrange, c'est bizarre, non mais quel bazar! Tu vois? Non, parce qu'on garde tout, je vais donner un. Ok.
C'est trop, c'est bizarre, non mais quel bazar! Moi j'ai vu un squelette en train d'envoyer mes messages, vous vous rendez compte les collègues? J'ai vu des princesses en train de boire du thé, c'est étrange. Moi j'ai vu une citrouille dans la valise, c'est étrange. Moi j'ai vu des chevaliers en train de se battre. Moi j'ai vu un monstre dans la réserve, c'est étrange. Moi j'ai vu des super-héros en train de jouer aux cartes, c'est étrange. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des pages blanches dans les livres. Des personnages ont disparu des livres. Regardez. On sait où ils sont, on va les chercher. On va les chercher. Pourquoi vous êtes partis des livres? Je m'ennuie. Je me sens seule. Je veux d'autres histoires que celles de Cendrillon. On veut qu'on nous lise des histoires. D'accord, je vais vous lire une histoire. Il était une fois en Afrique, il y a très longtemps, un serpent python. Il vivait dans... Dépêchez-vous, sortez votre livre de lecture. Le maître est noir maintenant. Bah oui, il était noir le maître. Bon, pour mon livre, c'est quand même étrange qu'il ait disparu. Ça mérite une enquête. Oui, mais digne d'un grand détective. Mais où a-t-on passé ce livre? Il est monté à mon cher Watson. Et pourquoi pas Hercule Poirot? Que pensez-vous de ce livre disparu, mon cher Hercule? Pas de doute, ce pauvre livre a été assassiné et foi de Poirot, nous allons démasquer son meurtrier. Alors James Bond, qui ça? James Blond? Analyse Blonde, James Blonde. Non, James Bond, quoi? Car un agent du spectre, ton charme n'agira pas. Dis-nous dans quel pays le livre a été remis. En même temps, c'est bien des filles. On peut appeler projet MC2. Venez les filles, encore une énigme à résoudre. Oui, la science nous appelle. Ou bien Attica Vampiro. Retrouvons ce livre avant qu'il se fasse mordre ou se transforme. C'est vrai qu'un livre qui dévore les gens, ça serait le monde à l'envers. Mais c'est pas une détective, Chica. Les garçons. Chut! On réfléchit à une enquête. Et si on demandait à des super-héros de mener l'enquête? Ton coup est bon, Joker.
Rends-nous le livre. Mon Spider Sense me dit que tu prépares une mauvaise blague. Non, je n'ai pas ce livre. De toute façon, je ne sais pas lire. Les garçons. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ton livre, je sais où il est. Tu es assis dessus. Ben, qu'est-ce qu'il fait là? En fait, il est tombé sur ta chaise. C'est ce que j'essaye de te dire depuis tout à l'heure. Ouais, tant pis pour le détective, le super-héros, ça me plaisait bien pourtant. Les enfants, moi j'ai volé, c'est l'heure de la création. Bah, c'est une femme, bien sûr, maîtresse, c'est toujours une femme. Regarde, Sana, j'ai acheté un nouveau poisson pour la classe. Il est trop incroyable. Quand on met un miroir devant son aquarium, il se bat contre son reflet. À midi, quand les élèves sont partis à la cantine, j'ai posé ce bocal et je l'ai couvert d'un tissu pour faire la surprise aux enfants. À midi, à 14h, quand les enfants sont revenus de la cantine, je leur ai fait la surprise et j'ai soulevé et il n'y avait rien, pas de poisson. Bizarre, bizarre cette affaire. Qui voudrait vouloir voler un vulgaire poisson? Ce n'était pas un vulgaire poisson, mais un super combattant. Un combattant? J'en ai jamais entendu parler. Un combattant est un poisson qui n'aime pas la compagnie. Dès qu'on le met avec un autre poisson, ils se battent tout de suite. Leur combat est impressionnant. Intéressant. Avez-vous fermé les portes à clé en repartant? Bien sûr que j'ai fermé la porte à clé. Comme tous les midis, personne n'a pu rentrer. Ah, je suis désolée, mais il est l'heure d'aller à la chorale. Très bien, profitons-en pour récolter des indices. Thank you.
votre maître avait dit, on avait une surprise pour vous. Mais malheureusement, quelqu'un a volé votre nouveau compagnon. Peut-être qu'il s'est envolé. N'importe quoi. Je suis sûre que c'est William qui l'a volé. Il mange tous les vendredis à la cantine, spécialement le jour du poisson. Cet ogre l'a dévoré. J'en suis sûre que c'est Mélina parce que la dernière fois, elle a pleuré parce que son poisson était mort. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Mélina? J'ai trop d'orge, il est mort le matin. Papa, il l'a jeté à la poubelle. Tu dis n'importe quoi. Ce creux d'orge était unique, il était irremplaçable. D'ailleurs, on a même revendu son aquarium. Ce midi, j'avais Elliot et Lenny, les manches trempées et les chaussures mouillées. À tous les coups, c'est eux qui l'ont volé. Tu dis n'importe quoi, on s'est lavé les mains. C'est ces maudits robinets qui nous ont éclaboussé. Calmez-vous les enfants, merci pour vos informations. Avez-vous autre chose à dire? Près de l'aquarium, on a trouvé un petit miroir. À qui appartient-il? C'est celui de Florine, la fille de la gardienne. Bizarre, qu'est-ce qu'il fait là? Nous allons vous quitter pour faire un premier bilan. Nous reviendrons vers vous plus tard. Effectivement, ce miroir n'était pas là ce matin. Merci, nous allons lui redonner. Entre midi et 14h. Les seuls élèves de la classe qui peuvent être coupables ont tous un alibi. William a mangé avec sa mère et n'est revenu qu'à l'école à 14h. Il n'a pas pu manger de poisson à midi. Donc il est innocent. Une maîtresse a vu Lenny et Elliot jouer dans les toilettes. On l'élimine. Bien. Cher Rockets, tu as été un peu embarrassée quand tu t'es rendue du miroir. À la base, elle devrait être contente. C'est bizarre. Oui. Elle a pu emprunter les clés de sa maman. Allons l'interroger. Allez. Florine, nous avons quelques questions à te poser. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à toi de nous dire. Je pense que tu as quelques informations à nous fournir. Peux-tu nous expliquer comment ton miroir a-t-il pu atterrir dans la classe des CE1? Alors qu'en plus, celle-ci était fermée. Ben, je sais pas, peut-être il est magique, peut-être il a volé jusqu'à là-bas. Arrête de nous prendre pour des idiots et dis-nous la vérité. Mais moi, j'en sais rien, peut-être c'est un CE1 qui m'a volé.
Ils sont tous des voleurs, ça m'étonne pas que leur poisson a disparu. Mais comment peux-tu savoir que leur poisson a disparu? Nous ne t'en avons pas parlé. Tu t'es trahi. Dis-nous la vérité. Il faut absolument que tu nous dises ce qui s'est passé. Ce midi, chez moi, je cherchais un miroir. J'ai pris les clés de ma maman. Ce midi, j'ai dit à mes copines qu'on avait mis sur ma tablette le poisson. Je l'ai branché la tablette sur l'ordinateur. Je l'ai filmé et j'ai rien compris, il a disparu. C'est incroyable! Il a vraiment été aspiré par l'ordinateur! Retournons voir les élèves, peut-être qu'ils auront une solution. Il faut trouver une idée pour le délivrer. Avez-vous un plan? Ah, ça tombe bien. Je connais 4 génies de la classe d'à côté. Parfait. Tu peux aller les chercher? Oui, je vais toutes les chercher. Jetons la clé. On espère que ça marche. Que 5 minutes et la maison est vide.
l'avait fait. Nous étions en poste pour surveiller, mais mon collègue ne se sentait pas bien du tout. Je l'ai donc accompagné aux toilettes. Et à notre retour, plus de diamants roses. Manque-t-il d'autre chose? Non, je ne sais pas. Nous préférions vous attendre. Appelle tous les gens qui sont venus cet après-midi dans la maison. Il y a des traces de pas. Ça doit être du 42-43. C'est bizarre, on dirait de la poudre. Prenez-en un peu. Alors, madame, pouvez-vous me montrer les semelles de vos chaussures? Oui. Merci. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier ce soir? Non, j'étais malade. J'avais très mal au ventre. Mon collègue m'a accompagnée aux toilettes car je ne pouvais pas me déplacer seule tellement j'avais mal. Qu'avez-vous fait aux toilettes? J'ai réussi à soulager mon ventre. Je ne vais pas vous faire un dessin quand même. Et pendant ce temps-là, qu'a fait votre collègue? Je ne sais pas, quand je suis sortie des toilettes, on est retourné dans la salle de réception. Je voudrais voir vos chaussures. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier ce soir? Non, la maison était très calme. Normal, puisque monsieur du château et sa fille étaient absents tous les deux. La chose inhabituelle, c'est que mon collègue avait très mal au ventre. Et qu'avez-vous fait? Je l'ai donc accompagné aux toilettes. Je n'aurais pas dû, mais je la voyais tellement mal. Bonsoir. Bonsoir. Allez-vous toujours? Oui, nous avons une piste. Laissez-moi encore quelques minutes et je vous explique tout. On va voir un peu pour l'instant. Nicolas, on a un suspect. Le garde que j'ai interrogé. Qu'avez-vous trouvé? Il a ses chemelles recouvertes d'une pellicule blanchâtre. Comme celle des empreintes trouvées dans la salle de réception. Envoie tout au labo, on sera vite fixé. Et moi, je préviens les mains. Ok. Je ne pensais pas que le vol de son diamant la rendrait si fragile. Je ne comprends pas grand-chose. En fait, je ne sais pas si je dois dire, car monsieur du château n'est pas au courant. Lena et Christophe, c'est mon secret depuis toujours. Pourtant, tout laisse à croire que c'est lui. Nous attendons une confirmation du labo. Excusez-moi. Allô? Oui? D'accord. Très bien. C'est quand même bizarre. Rejoins-nous, chérie du château. On a encore besoin de toi. Je l'ai trouvé sous un meuble de la salle de réception. J'ai interrogé la dame de ménage. Elle m'a assuré qu'il n'y était pas à juste heure.
ce soir. Bon, je vais rejoindre Léna dans le salon. Il va mieux. Regardez ce que Nicolas a trouvé dans la salle de réception. C'est le pendentif que mon père m'a offert en rentrant de son voyage d'Amérique du Sud. Mais comment est-il arrivé là ? Ce pendentif était rangé dans ma chambre. Il a offert ce cadeau à moi et à Pierre. Le fils de son meilleur ami, papa veut qu'on se marie tous les deux. Mais moi, je ne veux pas l'épouser. Même si lui, il est amoureux de moi et gentil. Donc ce pendentif, je ne l'ai jamais porté. Donc vous me dites que Pierre a le même pendentif. Donc il faut qu'on l'interroge. C'est peut-être lui. Bonjour, je suis parti en ligne. Police. Ça doit être grave de venir à cette heure-ci chez les gens. Reconnaissez-vous ce bijou ? Oui, enfin, je crois. Vous allez devoir vous suivre. C'est du bijou. J'en ai deux. C'est pas trop serré. Le diamant rose a été volé dans la soirée d'hier soir. Et c'est vous, le voleur. Eh oui, je vous ai démasqué. Vous ne pouvez pas dire ça, j'étais chez moi hier soir. Alors, comment expliquez-vous qu'on a retrouvé votre pendentif sur les lieux du vol ? Je sais pas, c'est peut-être Léna qui a fait ça pour me faire accuser. En plus, elle me déteste et ne veut pas m'épouser. C'est impossible. Léna n'était pas chez elle hier soir. Et en plus, son pendentif était bien rangé à sa place. C'est moi qui ai volé le bijou pour me venger de ce que me fait subir Léna tous les jours. Je ne pouvais plus le supporter. J'ai décidé de lui voler la pierre qu'elle aimait le plus. Et où l'avez-vous caché ? Chez moi. Je l'ai enterré dans mon jardin pour qu'il lui serait. Allons voir ça tout de suite. Mais alors, et les traces de pâte blanche ? En fait, Christophe est allé chercher dans la cuisine un médicament contre les maux de ventre. Mais sans faire exprès, il a tout fait tomber par terre. Donc il a tout nettoyé. Il est allé vers la place où le diamant rose était rangé. Mais il restait encore des traces sur ses chaussures. Donc il a fait de la poudre au sol, des traces quoi. Bonjour ma chérie, je suis content qu'on a retrouvé le diamant. Ce Pierre a eu quand même du culot. Moi qui voulais que ce soit ton mari. Oh papa, moi aussi je suis soulagée. Pierre a compris qu'il a été trop loin. Il faut que je te dise quelque chose, papa. J'aime Christophe depuis toujours. Et c'est avec lui que je veux partager ma vie. Tu me ne l'avais jamais dit. Moi j'ai toujours voulu ton bonheur. Je n'ai pas osé te le dire, tu as tellement de travail. Je n'ai jamais eu le courage de t'avouer tout ça. Sois heureuse avec l'homme que tu aimes, ma chérie. Pierre se remettra de tout ça. Il a toute la vie devant lui. Il a rendu le diamant. Oui, il a été emmené en prison ce matin même. Mais papa, on peut peut-être le libérer, non ? Je vois ce que l'on peut faire. Après tout, c'est juste un vol et il a rendu le diamant. Thank you.
commentaire. 4, le dénominateur. Sortez vos cahiers d'entraînement pour faire les exercices. Maîtresse, moi j'ai pas mon cahier. Maîtresse, moi j'ai pas mon stylo. Maîtresse, moi j'ai cassé ma règle. Maîtresse, moi j'ai pas compris. Maîtresse, moi j'ai envie d'aller aux toilettes. Mais arrêtez de dire tout le temps moi je. Essayez de penser aux autres. Vous copierez 100 fois. Je ne dis pas moi je en classe. Sortez vos cahiers de poésie et copiez la nouvelle poésie. Maîtresse, moi j'ai pas envie de travailler. Moi j'ai trop froid. Maîtresse, moi je veux rentrer chez moi. Maîtresse, moi j'ai mal à la jambe. Maîtresse, moi je sais pas quelle poésie écrire. Maîtresse, moi j'ai plus d'encre. Maîtresse, moi j'ai trop chaud. Maîtresse, moi je la trouve trop longue. Maîtresse, moi j'ai faim. Maîtresse, moi j'ai mal aux doigts. Maîtresse, moi j'ai déchiré mon cahier. Maîtresse, moi j'ai mal au ventre. Maîtresse, moi j'ai pas écouté. Maîtresse, moi j'ai oublié ma trousse. Maîtresse, moi j'ai cassé mon stylo. Vous commencez à m'agacer, hein. Vraiment. Maîtresse, je crois savoir pourquoi vous êtes inquiète. Vous avez eu un mot de menace comme nous tous. Ça doit être un enfant qui est monté pendant la récréation. Oui, mais qui ? Beaucoup d'enfants sont remontés tout à l'heure. Ça peut être n'importe lequel. Maîtresse, nous allons enquêter. Mon papy s'appelle Sherlock Holmes, il pourra nous aider. Bonjour, que me vaut l'honneur de votre visite ? Monsieur Holmes, on a vraiment besoin de votre aide. Toute la classe a été menacée. Et moi, on m'a demandé de démissionner. J'ai peur, monsieur Holmes.
Papy, nous avons vraiment besoin de tes talents de détective. Pourrais-tu nous aider, s'il te plaît? Nous avons déjà quelques suspects, mais comment savoir qui est le coupable? Demandez à vos suspects d'écrire ce mot de menace et comparer les écritures. Je vous prête ma loupe pour les analyser. Merci. Les enfants, vous avez copié ce mot, c'est le seul moyen de trouver le coupable. Non, je veux pas. Non, je veux pas. Moi non plus. Que faisiez-vous pendant la création? Je suis remontée déposer mes clés. Moi, je suis revenue chercher mon goûter. Je m'ennuyais, alors je suis repartie chercher mon cahier de jeu. Maîtresse, je sais qui est le coupable. C'est Lila! Mais comment le sais-tu? Les menteurs, ma chère maîtresse. C'est la seule qui a commencé sa phrase par « moi je ». C'est elle la chef du gang. C'est vrai, Lila? C'est toi? Pourquoi tu nous as fait ça? Oui, mais je voulais me venger de la maîtresse. C'est quand même pas si grave de dire « moi je ». Bah si, c'est grave de ne penser qu'à soi. Tu risques de perdre tous tes amis. Et si on crée la gang des toitures? Ouais, c'est bien! Thank you.
Que faisiez-vous la nuit dernière? J'ai passé la nuit dans ma chambre. Après le repas, je me suis tout de suite couchée. Par contre, hier soir, en montant, j'ai entendu Kenzo et la secrétaire se disputer dans le bureau. Et vous, que faisiez-vous la nuit dernière? Avec Kenzo, nous nous sommes disputés au sujet d'une activité qu'il ne voulait pas organiser alors que nous lui avions demandé. Pourquoi venons retrouver votre badge sur le lieu du crime? Mon badge, je l'ai perdu hier en faisant le ménage. Quel rapport entreteniez-vous avec Kenzo? Il y a 2 mois, il m'a accusé de vol. Une pièce de musée avait disparu. L'affaire n'a pas eu de suite et l'histoire s'est calmée. Est-ce que vous étiez au château hier soir? Oui, ma chambre est juste en face de celle du directeur. Il n'a pas bougé de la nuit, je le sais, car je n'ai pas fermé l'œil. Des témoins le confirment que vous étiez dans votre chambre pendant toute la nuit. Vous, par contre, vous aviez des raisons de tuer Kenzo. Ce n'est pas elle! Regardez ce que j'ai trouvé! Alors que la dame de ménage, elle a les cheveux courts! Vous, vous avez les cheveux longs. De plus, vous vous êtes disputé avec Kenzo. C'est la première fois que je vous vois les cheveux détachés. Tenez, attachez-les. Nous nous connaissions avec Kenzo. Il m'avait pris la place d'animateur que je voulais tant. Une nuit, j'ai craqué. Je l'ai étranglé après une dispute. Ah là là, maintenant il faudra que je me trouve une nouvelle assistante. Si vous pouvez attendre quelques années, je serai heureuse d'être votre assistante.